Et venez. En fait, hein, moi je dis dans la vie, quand tu persévères, hein, quand tu cherches un truc, tu persévères, tu finis pas à trouver. Et j'ai aussi dit, je ne suis fan de personne. Quand je suis avec mes amis, je dis ouais, lui là c'est mon artiste préféré et tout. Mais quand je suis sur internet, je suis fan de personne. Moi je dis mais quel son. Ouais, on est là, il y a de cela, je ne sais pas, trois mois, bien 4 mois, qui tout a sorti. Sans prendre une voiture. T'as gavé du voyage. Et là, hier, sur sa page Facebook, le gars il annonce la sortie de sa deuxième voiture. Vous avez vu la voiture. C'était un Kia, une Kia. Je ne sais pas. C'était Kia. Et puis la voiture. Je vais pousser les photos. Et puis on va parler des clashs qui en ont suivi. La voiture que vous venez de voir là, c'est une Kia 2023. On est rentré dans c'est une Kia 2023 là. Et là. Maintenant, le gars, vous avez les clashs. Et à la vapeur. Donc, il a dit ne me comparez plus aux gens qui roulent dans les BMW, qui roulent dans les BMW parmi les artistes rappeurs. Bah, c'est pire, oui. Si je m'en ai regardé. Voilà. Ça, c'est sa première voiture. Après, il a changé en noir. Je ne sais pas s'il a changé pour l'autre, mais il a changé la voiture. Bon, moi, je dis les tutelles qu'elles sont. Hein. Voilà, c'est ça. Après, il a changé en noir. Maintenant, Guetoumi, après, il dit encore, il roule dans les voitures de 2002, 2003, 2000, et veut se comparer aux gens qui roulent dans les voitures de 2022, 2023. Il parle de qui? Il parle de Cetro, il a deux voitures. Pour ceux qui ne savent pas, Cetro, il a deux voitures. Comment on appelle ça? Il a deux décapotables. Bon, je vous laisse regarder la vidéo, vous allez voir des voitures. Il a deux décapotables. Et puis aller écouter le nouveau son, le son avec Gigalo, c'est Ice. Il y a des gens qui étaient dans les commentaires, puis les gens disaient, même si on combine les deux voitures de Cetro, il ne va pas pouvoir payer une seule voiture de Guetoumi. Mais les gens sont ouf. Oui, là, les gens, c'est Cetro, ils vont me faire voir. Nous, bon, avec Gandor, j'ai un gâteau de Guetoumi, tu vois, 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 après tout, Guetoumi, pas de moi, mais regardez comment les gens sont chauds. Il bon là. Hein? Après, tout le monde a eu pour lui. Hein. Quand on parle de rappeur, tout le monde a eu pour lui. Donc, on va parler de tout le monde. Il y a Picalusi. Vous savez, toute la voiture que Picalusi conduit, je ne sais pas s'il a changé, mais avant, il conduisait une Mercedes 2000, une Merco, voilà. Une Mercedes 2012. Je vous mets la photo. Voilà, vous vous rappelez de cette vidéo, non? Il conduisait une Merco 2012. Je ne sais pas s'il a changé jusqu'alors, mais c'est ça qui conduit. Ou bien c'est ça qui continue pas à continuer. Vas-y. Donc, lui aussi, il est dans le clash. Ça veut dire que Guetoumi, il est où pour bien pour Spin. Maintenant, on va parler du PDLG. Donc, vous avez venu d'ici. Il est PDLG, c'est Guetoumi, PDLG, bla 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 bla. Bref, on va parler du PDLG. My flame, pour ceux qui ne savent pas, il conduit. Un Toyota Camry, ouais, c'est Camry, voilà, je vais mettre les photos. Vous allez voir, il conduit un Toyota Camry et tout, je ne sais plus l'année, peut-être 2018 ou bien 2017, un truc comme ça. Donc, et tout, il me et pour ça. Est-ce que vous voyez le bar? Et puis moi, je me dis, ok, tout le monde peut le monter, voilà, Guetoumi. Mais quand Guetoumi est venu, pour payer la première voiture, bon, la première voiture de Guetoumi, t'as la volée, moi je kiffe pas trop. Déjà, moi j'ai pas ce genre de voiture, tu vois. Mais, allez, nous qui viens retourner sur là, c'est feu. On est tous d'accord, c'est feu. Et voilà, le courage à la tige, c'est bien. C'est ça qu'il faut persévérer. Quand tu fais un truc, que les gens disent, c'est bon ou pas. Ce qui est sur la moula, Nanine, Guillaume, là, on kiffe. Et puis moi-même, peut-être, je suis dans ceux qui ne kiffent pas les sons de Guetoumi. Je dis pas que je kiffe pas Guetoumi. Je suis peut-être dans ceux qui ne kiffent pas les sons de Guetoumi parce que bon, moi je trouve que c'est dans la vie. Guetoumi après son concert, bon, le concert était réussi parce que les chansons sont sorties. On a vu les vidéos, les chansons sont sorties et tout.
Et puis, à nous pour le fou, moi, je pense que nous avons parlé de ça. Ouais, non. Les gens qui étaient là-bas, ils dépassent 3000 personnes du jour. Donc voilà, après le concert, Ghettovi a décidé de sortir une nouvelle voiture. Je répète le nom de la voiture. Kia Sportage 2023. 2023, pas 2022, pas 2019, 2023. Et sachez que, hein, à part qui, je ne sais même pas. Et sachez que, je ne sais même pas c'est quoi le prix de la voiture, mais je sais que voilà, et la Corsia. Et à part Santelmos, on pourrait dire Ghettovi, parce que Santelmos il conduit une Land Rover, non? Land Rover, c'est un truc de prix. Donc, à part Santelmos, Ghettovi, mais vous qui avez des toits, Ghettovi, mais vous qui avez des toits. Voilà quoi, voilà, on a placé les meilleurs, les meilleures voitures des artistes togolais, mais parce que la voiture là c'est chaud, on est d'accord, c'est chaud. Les Toyota Camry, les décapotables, les BM, les quoi. Bref, il va y aller. Il y a sa place là, ben moi. Hey, les gars, c'est ouf. J'attends que la voiture sorte. Et puis voilà, s'il y a d'autres choses, on en reparlera. On est ensemble, abonnez-vous, likez, commentez. Ne venez pas m'insulter ici. Je n'ai pas pris parti. Vous avez. Chez moi, le meilleur rappeur, c'est MyFlip. Que vous ne le voulez pas, c'est MyFlip, mais voilà. Mais que moi, les gens ne le pas. Mais tout le monde, je suis pour ça, on va dire qu'il ne va pas. C'est tout. Sinon, le meilleur rappeur, vous pensez. Michael.